parti les amis, aujourd'hui grosse vidéo, vous êtes même pas prêts. On va aller voir Billy qui doit être dans sa chambre les potes. Voilà, ça fait super longtemps qu'on n'était pas dans ma ville sur Minecraft. Je suis heureux qu'on se retrouve dans ma maison aujourd'hui. C'est parti, alors où est mon fils Billy? Billy doit être dans sa chambre. Oh. Bah, oh, tu peux la nuit. Oh, 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 mais... coucou papa. Coucou les enfants, mais c'est quoi ça? Ça va, ah bah ça, mon poster que j'ai volé chez Apu. Ouais, moi ouais. Aussi, on est allé avec des cagoules et tout, c'est trop bien. Ouais. Quoi, vous êtes parti voler un poster? Mais attends, mais ça représente quoi ça? Haïti, attends, ouais, c'est la plage. C'est la plage. Ouais. C'est Hawaï, papa, comme la pizza. Oh, c'est Hawaï? Attends, quoi? Comme la pizza. Attends, mais je savais pas que Hawaï c'était aussi beau que ça. Ça tombe bien, j'ai grave besoin de vacances, moi. Ah oui, oh. Papa. Ouais. Avant qu'on construise un avion pour oh. Partir en vacances là-bas. Ouais. Ouais. Mais attendez, mais attends, Gary, toi, tu sais construire un avion, toi? Bah oui. Non, mais ça m'empêche pas. Wouhou, ouais, on va construire un avion. Oh non les amis, mais qu'est-ce qui leur prend les potes? Ils veulent aller en vacances, bah pour moi j'allais aller à l'aéroport et prendre l'avion. Eux ils veulent carrément construire un avion, c'est n'importe quoi. Regarde papa, quoi? On a déjà fait toutes nos valises. Ouais. Ah oui d'accord, vos affaires sont déjà prêtes et tout. Oui, papa, fais ta valise. Ah ok ça va. Plus vite. Ok bon les potes, je vais aller préparer ma valise. C'est bon, pas besoin que vous venez avec moi. Allez. On t'attend pas papa. Je vais préparer mes affaires les potes. Putain grand frère, dépêche-toi, on t'attend, on doit partir. C'est bon, je suis là. Allez c'est parti les gars, on papa, y va. Tu sais pour l'avion, ah ben, tu sais les matériaux de construction papa, ah ben, ah. J'ai demandé à Awaris de nous les rapporter. Ah. Ouais. Ah, c'est super, notre ami Awaris nous a ramené des matériaux pour l'avion. Oui, comme ça, il va le construire avec nous, papa. Oh, oh, oh. Parce qu'il construit même des maisons. Mais non, sérieux, mais bah oui, super, papa. Ça. Ah, bah c'est nickel. Papa. Bah attendez, mais c'est où? On va faire ça là, papa. Eh, ça vient qu'Awaris, j'ai construit comme les poules Touguesh. Oui, bon, ça va, allez, ça va. On va laisser notre ami Awaris tranquille. Ok, c'est ici que nous allons construire notre avion. Ben, c'est parti, les gars. Allez. C'est bon, j'ai fini l'avion. Hop là, attends, Gary, je vais mettre ma touche personnelle. Bouge, mais non, bouge, il est bien bouge, mon avion, là. Hop là, regarde, je vais faire les ailes. Hop là, et tada. Je vais mettre une petite bouteille pour le voyage, comme ça on n'est pas déshydraté. Arrêtez de faire n'importe quoi. Bon allez, vous savez quoi? C'est moi, je vais construire l'avion. Allez, vu que vous savez rien construire. Oh, j'aurais clairement dû ramener ma fille Eva avec nous, hein, parce que vous deux là. Oh là 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 là. Bah allez, c'est quoi? On va faire la base de l'avion en bois, vu que c'est les seuls matériaux qu'on a. Hein, voilà. Oui, un peu là. Je commence à l'avoir marre. Toujours Eva par-ci, Eva par-là. Et pourquoi pas nous, grand frère? Ah, parce que vous êtes un petit peu bébête quand même, Gary. Hein, faut le dire. Hein, voilà quoi. Oh, un petit peu, oui, c'est possible. C'est pas vrai. Voilà. Hop là, bon, maintenant est-ce que vous pouvez m'aider à faire un avion parce que je sais absolument pas construire moi. On va faire le sol de l'avion, papa. Grand frère, ça tombe bien parce que moi non plus. Wouhou! Termine le sol, papa. Regarde, je vais mettre tous les sièges. Oh, hop là. Wouh, trop bien. Wouh. Attends, mais c'est des mis sièges tous ça les sièges, papa. Bah oui, papa, j'ai mis les sièges de l'avion. N'importe quoi, ok. Et pour faire le devant de l'avion, on fait comment, les gars? Ah bah, on fait un cockpit. Eh, mais on dirait plus un bateau qu'un avion, notre truc, là. Hein. C'est pas grave, regarde, on va rajouter des ailes. Ouais, ouais, j'avoue, avec les ailes, ils volent. Ouais, c'est vrai qu'avec les ailes, ça va changer toute... ça va faire toute la différence, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors, ok, on fait les ailes. Par contre, Gary, t'aurais pu faire des ailes un petit peu mieux, quand même, hein. Bah non, ils sont très bien, mes ailes, regarde, ça fait... Ouais, bon, bizarre, hein. Moi, j'aurais peut-être fait un petit peu mieux, mais bon, allez, vous savez quoi? Hop là, on va en espérant que ça passe l'affaire. Hop là. Voilà. Mes ailes. Du coup, ça, c'est fait. On a fait les ailes de l'avion. Billy s'occupe de l'intérieur. Waouh! Mais notre avis, il est super moche, les gars. On a fait un avion, mais il est super moche, les gars. C'est n'importe quoi. Comme Eva. Oui, oh non. Comme Eva. Oh non, mais papa, c'est normal qu'on dirait qu'on fait un OBS Pro là, c'est tellement moche. Mais ça dirait clairement un OBS Pro. Mais what les potes, notez notre avion sur 10 dans les commentaires. Papa, regarde, viens ici papa. Ouais. Mets-toi comme ça un peu en l'air. Regarde-moi, regarde papa, regarde plat. Oh. Les potes, on a fini de faire
super. L'avion, c'était trop trop bien. Du coup, moi, ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on prenne notre envol, quoi. Ouais. Mais papa, est-ce que t'as les billets d'avion? Bah non, vu qu'on vient de le construire. Allez, viens, Billy, let's go. J'ai une question, grand frère. Est-ce qu'on peut passer par-dessus New York pour un pote? Non. Oh, bah, c'est moi pas, le conducteur de l'avion. Allez, hop là, nickel. Alors, attendez, on va juste mettre une porte. Bon, allez, c'est parti. Du coup, Billy, c'est toi qui pilote? Ah oui, papa, c'est moi qui pilote. Ok, wouh, nickel. Bah, du coup, Gary, vas-y, viens, on va s'asseoir, nous, hein. Je vais aller couler un bronze. Allez, voilà, c'est parti. Bon. Six Skywatchers, nous allons décoller de l'aéroport de Los Angeles à 6h41 secondes. Ouais. Ah, ça tremble. Ça commence à trembler. Ouais, c'est parti, mon frère. Ok, les potes, on est en plein vol. Alors, Gary, ça va? T'as pas trop le mal de l'avion? Ah non, pour l'instant, ça va. On va arriver. Je vais vous dire qu'on arrivera. Ouh, alors, attendez, on va regarder un petit peu où on est. Oh, on est en train de survoler la ville, les potes. Regardez-moi ça. On est en train de partir. Mais c'est beau, ça. Bah ouais, regarde, c'est beau. Regarde, on voit la plage et tout, grand frère. C'est trop bien. J'avoue, c'est stylé. Bon, frère, j'ai envie de sauter de l'avion et atterrir dans l'eau. Oui. Mais là, n'importe quoi, Gary. N'importe quoi. Bah, attends, que... Okay. Papa, regarde, papa, c'est le pilote. Papa, pourquoi le pilote, il a fait ça, papa? N'importe quoi. Papa, pourquoi le pilote, il a fait ça, papa? Je sais pas. Regarde, il est passé par là, papa, regarde. Mais non, mais ne fais pas la même chose. Mais qu'est-ce que vous faites, les gars? Mais faites pas pareil, oh, tranquille. Ah, d'accord. Voilà, oh là là. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, déjà, tout ça, on enlève, il y a trop de trucs, là. Ouais, on va tout enlever. Voilà. Attends, mais si tu veux, moi, je peux piloter, il n'y a pas de souci. Mais non, Gary, qu'on peut, mais pilote pas, toi, t'es un fou. Mais grand frère, c'est comme dans les jeux vidéo, je me suis crashé qu'une fois. Billy, je te conseille de mettre ta ceinture. Oui, oui. Attends, je me suis... attends, je me suis crashé qu'une fois, j'ai joué qu'une fois. Wouhou, trop bien. Qu'est-ce qui se passe? Joseph. What? Mais qu'est-ce qui s'est passé encore là? Où est-ce que je suis? Oh, Billy! Billy, ça va? Billy, réveille-toi! Eh oh, mon fils! Billy! Allez, lève-toi! Oh, mais qu'est-ce qui nous est arrivé, Billy? Mais on est où là? Qu'est-ce qui s'est arrivé? Oh, attends, je crois que j'ai des souvenirs! C'est depuis qu'on a laissé Gary conduire! Mais. Attends, mais Gary? Il est où? Bah, Gary, il est où, Gary? Oh non, les amis, je crois qu'on a perdu Gary. Il a dû sauter dans la mer. Je crois qu'il est coincé au plein milieu de l'océan, Billy. Mais papa, il faut aller le sauver. Mais tu sais quoi, Billy? S'il y a 10 000 likes sous cette vidéo, les amis, je vous en supplie, mettez un like pour qu'on puisse aller sauver mon petit frère Gary. Oh là là. En attendant, Billy, il va falloir qu'on survive et qu'on s'échappe de cette île, ok? Oh oui, papa, sauve-moi. Oh là, amène attends. De la nourriture. Ok, alors avant tout ça, Billy, déjà, je vais te jeter dans l'eau. Allez, hop là, hop. Aïe. Va dans l'eau, aïe. Hop là, pour te nettoyer un petit peu le visage. Voilà, parce qu'il est quand même super dégueu. Alors, t'es beaucoup mieux comme ça. Tu te propre, papa. Ok, nickel. Bah, oh, attends, il y a l'air d'avoir une autre île là-bas de l'autre côté, là. Oh, papa, est-ce que ça dirait qu'on va sur l'autre île en face? Ouais, vas-y, viens. Je suis chaud. Vas-y, on va voir, les amis. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se cache dans l'île juste ici devant nous, là. Allez, j'espère que l'eau n'est pas hop très fraîche. Ok, allez, c'est elle parti. Elle est un peu froide, papa. Let's go. À ton avis, il y a des survivants dans l'île? Je sais pas, peut-être des dinosaures, papa. Oh, j'espère au moins, les amis, qu'il y a un petit village ou quelque chose comme ça, parce qu'on a vraiment j'espère qu'il y aurait des cochons, comme ça, pour à manger du saucisson. Alors, attention, chut, Billy, viens. Alors, reste derrière moi. Pourquoi okay. Je dois parler doucement, papa? On sait jamais s'il y a des gens. On doit pas se faire prendre. Ah oui? Oh. Papa, attendez. T'as vu ce que j'ai vu ou c'est un mirage? Attends, Billy, il y a une tente devant nous, il y a deux tentes, regarde. Et regarde, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'air d'avoir une petite grotte avec quelqu'un à l'intérieur. Mais c'est quoi ce délire, là? C'est quoi ça, papa? Vas-y, attends. Va voir. Bon, allez, attends, je vais aller voir. Va voir, papa. Ok, s'il y a quelque chose, tu viens me sauver, ok? Je te regarde de loin. What? Bonjour. Vous êtes qui? Bonjour monsieur, mais en fait on s'est crashé avec notre avion, on est des survivants. Oula, attendez, calmez-vous monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes effrayé? Je vais pas vous tuer, hein, je vais pas vous manger.
Et toutes les nuits, il y a un monsieur, le F, il sort du puits et il mange tout sur son passage. Quoi? Attends, t'es en train de me dire que t'es un membre des alphas? Oui. Oh, ok les amis, devant nous, on a... Bah attends, t'es la lettre... Oh, t'es la lettre L si je me trompe pas, non? Oui, okay. Attendez. Oh, punaise, il est là. Ouais. Oh. Mais non, ça va, il y a personne devant nous. Ok, bon les potes, devant nous, on a la lettre L et elle nous... Enfin, elle ou il... Attends, t'es une fille ou un garçon? Je suis un garçon. D'accord, ok. Et du coup, la lettre F vient toutes les nuits faire le tour de l'île pour vous manger? Oui. Parce que l'île lui appartient et du coup, il mange tous ceux qui sont pas censés être sur l'île et moi je me cache depuis des jours. What? D'accord, mais attends, mais pourquoi il y a deux tentes? De base, t'es pas tout seul? Non, c'était des campeurs qui se sont installés là, ils se sont fait manger. Oh là 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 là, les amis, c'est plus grave que ce que je pensais. Ben dis-moi la lettre L, tu peux nous montrer, s'il te plaît, où se trouve l'entrée de la base du F? Je sais pas, je crois qu'il est... Ok les amis, je crois qu'il va nous montrer un petit peu. Alors attendez, c'est par où? Ok, je te dis. Chut! Taisez vous! Ok, ok, chut, Billy, tais-toi. Regardez, c'est là où ils se sont fait manger là. Juste là. Quoi? Attendez, papa, t'as vu par terre? Ça, c'est les traces de ses dents. C'est ses dents, c'est avec ses dents qu'il a fait ça? Waouh! Et voilà, il dort. Au fond du... Vous approchez pas sinon il se réveillera, mais toutes les nuits il sort de ce puits. Il sort vraiment de ce puits là, attends Billy, t'en penses quoi? Bah, j'ai un peu soif du coup, moi je veux voir. Ah non Billy, je veux voir. Ah non, 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 viens Billy, non. Oh, wow, ça m'a l'air super profond, non Billy, fais gaffe. Ok. Bon, les amis, vous savez quoi? Ce qu'on va essayer de faire, on va élaborer un plan, d'accord? Du coup, on va essayer de survivre tous ensemble. Moi, ce que je vous propose, c'est très simple. C'est qu'on essaye de trouver une grotte, on essaye de se faire un maximum de stuff, etc. Et en attendant la nuit, dès que la nuit arrive, on va choper la lettre F et on va le dégommer, les gars. Vous en pensez quoi? Comme ça, je serai enfin libre de cette île. Bah oui, parce que tu m'as l'air super malheureux, mon petit, là. Bah oui, plein de gens sont morts ici. Waouh, ok, bon. Tu sais quoi? On va essayer d'éviter qu'il y en a des prochains sur la liste. Allez, c'est parti, on casse du bois. Allez, c'est parti, les amis. La suite commence tout de suite. En attendant la nuit, du coup, on va essayer de se mettre minimum stuff faire. Avec des épées, des arcs, pourquoi pas. Un petit peu de bouffe aussi, ça nous ferait pas de mal. Allez, c'est parti, nickel. Moi, j'ai quand même pas mal de bois. Est-ce que vous pouvez essayer de trouver une grotte? Il y en a une dans le coin ou pas? Bah oui, c'est la mienne ici. Ah, c'est ta grotte, ça? Mais t'as pas une plus grosse grotte, non? Bon, je vais creuser. Okay, nickel, vas-y, la lettre L. Allez, on compte sur toi, mon ami. Oh, attends, il va peut-être trouver un truc, là. Hein. Bon, allez, en attendant, moi, je me fais une petite table de craft, les potes. Restez bien jusqu'à la fin parce que le fight contre la lettre F va être incroyable, les potes. Ça va être vraiment incroyable. Du coup, allez, table de craft. On se fait une pioche. Déjà, on va commencer par se faire une pioche et une épée. La pioche, c'est bon. Et pour l'épée, c'est bon. Voilà, nickel. C'est bon, j'ai trouvé une grotte. Oula, t'as trouvé une grotte? Ici, là? Tu peux sauter ou pas? J'ai tout. Oh, mais là... Mais attends, mais c'est une super bonne grotte. Ah, ça va, rien de cassé. Non, ça va. Ok, ça va. Eh, hey, Billy, rejoins la lettre L en bas. Allez. Ah oui, mais j'ai pas envie, papa. Bon, allez, tu sais quoi? Hop là. Wow. Aïe. Voilà, parfait. Du coup, voilà, je compte sur vous pour récupérer un maximum de fer, hein. J'ai des torches. Oui, papa. Allez, c'est parti. Du coup, pendant que eux récupèrent du fer, les amis, moi, je vais tuer un petit peu de cochon parce que j'ai vu qu'il y en avait un petit peu sur l'île, histoire qu'on puisse faire un petit peu de nourriture. Voilà. Ensuite, je vais les rejoindre dans la grotte pour récupérer un petit peu de fer et pourquoi pas un peu de diamant. Nickel. Allez, voilà. On dégomme tous les cochons. Hop là. Et les amis, franchement, on m'a toujours dit que la lettre F, elle était vraiment super dangereuse. J'ai hâte de voir ça. C'est la première fois qu'on voit la lettre F sur Minecraft. Franchement, j'ai hâte. Hop là, nickel, voilà. J'ai trouvé tout. On est de retour. Vous êtes déjà de retour? Ah, oui. Oh, pas mal de... Regarde, papa. Oh, mais... Waouh. Ah oui, mais... Ah oui, quand même. Ça va, vous vous amusez bien en bas, là? Ouais, youhou. On s'amuse trop bien. Oh, waouh. Mais c'est quoi tout ce fer? Papa. Oh,
Mais c'est trop stylé, Billy, mais c'est incroyable, mais t'es trop chaud. On est devenu riche, papa. Ok, mais bah, c'est parfait. Bah attendez, vous savez quoi, je fais une table de craft. Vous avez un four ou pas? Oui, j'en ai un. Attendez, hop là. Craft un. Ok, mais c'est nickel. Oh les amis, la lettre F, ce qu'elle va avoir dans la figure, elle n'est même pas prête. Ok, hop là, nickel. Ok, du coup, toi, t'as fait le four là, parfait. Ok, j'ai ça. Bah attends, je vais faire cuire un petit peu ma bouffe que j'ai. Et avec le peu de fer que j'ai, on va se faire des petites épées. Allez, on se fait des petites épées. Hop là. Ok, j'en fais une pour le L et une pour Billy. Imaginez, voilà. Imaginez, c'est le F, on mange tout. Oh mais, elle arrête de dire des trucs. J'ai peur. Mais arrête, t'es en train de faire paniquer mon fils là, le L. Oh là là là. Oui, là. Il est méchant. Oh là oui. Les potes, dites-moi dans les commentaires, à votre avis, est-ce qu'on réussira à dégommer la lettre F? Du coup, allez, nous on va continuer un petit peu notre aventure dans les grottes. Nous voilà les potes, regardez, ça fait au moins 20 minutes qu'on est dans les grottes. Ça va, on a eu de la chance, on est tombé sur pas mal de minerais. Du coup, voilà, on est full fer. Et c'est parti les amis, on va monter à la surface pour pouvoir attraper la lettre F. Ok les amis, c'est bon, on est sorti de la grotte et il fait presque nuit, vous avez vu ça? Oh, papa, t'as vu, il fait bientôt nuit. Là, il sortira pas. Car il n'y a pas de campeur, il ne vous a pas vu arriver. Mais si on met un peu de viande devant le puits, il le sentira et il sortira. Oh, okay. Ah ben... papa, t'as du steak, papa? Oh oui. J'en ai un peu, bah vas-y, venez, venez. On va en mettre devant le puits, vous êtes chaud? Oui, youhou. Allez, c'est parti, en espérant que ça se passe bien, cette histoire. Hein. Moi, je veux casser du F. Attends, écoutez, s'il ronfle, peut-être qu'il n'est pas là. Oh, si, il est là. J'ai entendu. Vas-y, on en met. Allez. Vite. Allez, vas-y, mettez le steak. Ah. Ok. Ah. Les amis, il y a la lettre F. What? La lettre F? C'est quoi ce délire? Papa, il est en train de manger le steak. Oh, il mange le steak. Okay, t'avais mis du sel ou pas, papa? Je sais pas, je suis pas sûr. Cachez-vous. Ah, le L, mais qu'est-ce que tu fais? Il va te voir. Non. Oh non, il va te manger, non. Non. Oh, le L. Oh, il a mangé le L. Il a mangé le L, papa. Cache-toi, viens. On va se cacher. Reviens, papa, sur la colline. Oh non. Ok, il est en train de nous chercher, les amis. Il a mangé notre ami le L. Mais papa, viens, on va sauver notre ami le L. On va le taper. Tu penses qu'on peut... Oui. Plouf. Ok, bon, Billy, tu sais quoi? On va faire un piège, d'accord? Oh oui, un piège à quoi? Ok, enlève-moi tout ton stuff et fais-toi passer pour un steak. Papa, mais t'es sûr? Oui, t'inquiète pas, Billy. Et quand il va venir te voir, je vais l'attaquer par derrière et je vais lui casser la figure. Ouais. Ok. Casse-lui la boue. Voilà. Attends, papa, j'ai même des steaks dans la main. Parfait, Billy, nickel. Vas-y, tu sais quoi? Mets-toi à côté du feu, là. Ah oui. Ouais, attends, ouais. Papa, regarde. Oh, les amis, j'espère que ça va marcher. Imaginez que Billy se fasse manger. Je suis un steak tout chaud. La, la, la. Attends, vas-y, on l'enferme dans la grotte, vas-y, tape, allez, voilà, vas-y, prends des blocs, vite, oui, hop là, wouhou, nickel, parfait, c'est bon, il est enfermé dans la grotte, la lettre F, coucou toi, pourquoi t'as mangé la lettre L, c'était notre ami, pourquoi vous êtes venu me réveiller?